Connaissez-vous l'expérience de Pavlov? Si oui, tant mieux. Sinon, je vais rapidement, quand même, pour ceux qui ne la connaissent pas, le dire. Donc, c'est un Russe qui a fait une expérience sur le réflexe conditionné. Par exemple, sur un chien, en plusieurs jours, en plusieurs semaines, je ne sais pas combien de temps cela lui a pris, cette expérience consistait à donc avoir donné de la nourriture à un chien. Il regardait ce qui se passait. Par exemple, donner une petite nourriture et en même temps il faisait sonner une petite cloche. Et le chien donc mangeait. Voilà. Il regardait ce qui se passait. Il montrait la nourriture en faisant sonner la cloche. Et il voyait que quand le chien voyait la nourriture, en fait, il commençait à saliver. Et ainsi de suite, cloche, nourriture, salive. Et jusqu'au jour où il ne donna pas de nourriture, il voyait le chien, là, voilà, et il faisait sonner la cloche. Qu'est-ce qui se passait? Le chien bavait. Il y avait de la salive. Ça s'appelle donc un réflexe conditionné. Sans avoir la nourriture, juste en entendant le son de la cloche, le chien salive. C'est une très bonne expérience, et ça, ceux qui nous dirigent ont très bien compris. Pourquoi? Que se passe-t-il lorsqu'on vous dit « Oh, il faut sortir de l'Europe ». Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit maintenant? Je vous dis « Il faut sortir de l'Europe ». Qu'est-ce qui se passe? À qui pensez-vous? Que ressentez-vous? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous avez 5 secondes. Qu'est-ce que vous ressentez? À qui vous pensez? Etc. Ding! Eh bien, je suppose que 95%, 99% d'entre vous ont pensé au Front National, à Le Pen, à danger, voilà. Eh bien, c'est ça le réflexe conditionné. Les médias et les hommes politiques ont réussi, en très peu de temps, on va dire en 20 ans, en 30 ans, à faire rentrer dans la tête des gens que lorsqu'on critique l'Europe, on pense tout de suite au Front National, on pense négatif, on pense fascisme, on pense tout ça. Eh bien non, et je ne sais pas combien de temps il faut au chien pour enlever ce réflexe conditionné. Il faudrait d'ailleurs, les études existent peut-être, mais ça on le sait moins. Et combien de temps faudra-t-il aux Français et aux Européens pour enlever ce conditionnement? Que lorsqu'on critique l'Europe, lorsque l'on dit qu'on veut sortir de l'Union Européenne, ce n'est pas lié au Front National, ce n'est pas lié à la xénophobie. Bien au contraire. Je ne vais pas vous expliquer en quelques secondes, en quelques minutes, la raison. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je vous invite à voir les heures, il faut des heures, voilà, pour vous déconditionner. Peut-être qu'il faut quelques heures, simplement. Peut-être qu'il faut des semaines, ou alors tout simplement, je ne sais pas. En tout cas, moi qui étais pro-européen, qui ai fait des études dans les langues, avec des profs, des bons profs, j'étais même allé en Irlande, je me souviens très bien dans un café, parler à un homme, dire « Vous savez, je suis français, mais vraiment je me sens très européen, je suis européen. » C'était il y a quelques années, et aujourd'hui, maintenant que je sais ce qu'est l'Union Européenne, que ce n'est pas du tout dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de certaines petites personnes. J'entends dire, quand je dis que je suis adhérent à l'UPR, « Oui, mais tu sais, c'est bien pour les entreprises, l'Europe. Quelqu'un qui veut acheter à l'étranger, il paye moins cher, il ne paye pas les taxes de douane. » Je vous renvoie vers les conférences de François Asselineau. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà ce qu'est le réflexe de Pavlov. C'est un réflexe conditionné. Quand on critique l'Europe, on est immédiatement assimilé au Front National. Je ne critique pas ici le Front National en tant que tel. Il a assez de problèmes. Je critique ici le fait que les médias et les politiques ont assimilé le fait que critiquer l'Europe, c'est mal, c'est facho, c'est xénophobe.
Voilà ce que je critique dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, je vous invite à réfléchir. Je sais que je n'ai que très peu d'influence. Mais si je peux, je le dis à chaque fois, éveiller certaines personnes, une, deux, trois, c'est magnifique. Pour moi, c'est une victoire. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas être long. C'était le réflexe de Pavlov. Donc, lorsque l'on critique l'Europe, lorsque je critique l'Europe, je ne critique pas l'Europe en tant que telle, je ne critique pas les Européens. Je suis un Français qui réside dans le continent européen. Je critique l'Union européenne qui est néfaste pour nous. Je vous oriente, quitte à être trop lourd, de toute façon on n'a rien à perdre, vous n'avez rien à perdre à écouter François Asselineau. Il a fait que moins de 1% dans les élections. Je ne vous dis pas de voter pour lui, je ne vous dis pas d'adhérer pour lui, mais de l'écouter. C'est comme si vous me disiez, je ne suis pas une personne que j'aime pas, Joey Starr, voilà. Joey Starr, je l'aime pas. Je l'aime pas pourquoi? Il tape sur les hôtesses de l'air, il a tapé sur son singe. Pour moi, c'est un... Je vais rester poli. Je vais simplement dire que je ne l'aime pas. Une amie m'a fait voir un film avec Joey Starr en tant qu'acteur. Ah ben, j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai apprécié en tant qu'acteur. Après, dans sa vie privée, j'aimerais pas être son ami. Voilà. Mais c'est un bon acteur. Ouais, c'est un bon chanteur. François Asselineau, vous n'aimez peut-être pas. Vous n'aimez peut-être pas son côté... Ce que disent les médias de lui, plutôt. Je suis votre ami. J'espère l'être, si vous regardez cette vidéo. Comme mon ami m'a proposé de regarder ce film, je vous propose amicalement de regarder les conférences de François Asselineau. Mais, j'allais dire, ne vous arrêtez pas aux 10 premières minutes, mais en général, les 10 premières minutes sont intéressantes, et vous regardez l'heure ou les 2 heures, vous pouvez les regarder plusieurs fois. Mais, essayez. Ne vous arrêtez pas aux on dit, ne vous arrêtez pas aux étiquettes. Essayez. Voilà. Pour vous déconditionner. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.